Moi, je parlais de restituer une impression. La sensibilité que je vais avoir au changement. Alors, pour jouer ce personnage, j'ai mis un blouson et des lunettes noires. Et après, je me suis retrouvé devant la fenêtre et puis j'aimais beaucoup ce que faisait. Comment elle s'appelle? Bar. C'est-à-dire que tu étais un personnage. Pour faire un personnage, tu as dû utiliser des ressources personnelles Ouais, mais liées à ton expérience de. je me suis pris le volet dans la figure quand même. Oui, c'est vrai. À un moment donné, sur la planche de la bande dessinée, tu essayes d'entendre la musique par la fenêtre. J'ai fait un tu es petit donc coma. Peter, hein, c'est ça, Peter. Oui, bah tu oui, peux dire je suis Peter, c'est moi Peter dans la bande dessinée. C'est moi Peter dans la bande dessinée. Ouais. Je suis Peter. Peter, oui. Bon, alors, en fait, on revenait de Darty pour acheter un aspirateur. Tu l'as là? Bah, on l'a pas pris du coup. Ouais. Mais le gars, il a dit, si vous avez un problème, vous venez me voir, je m'appelle Luigi. Ouais, pas plus, hein. Comment dit? Comment? Non, pas Luigi Maurice. Maurice. Alors, faut arrêter. Ah, mais c'est Stéphane. Hein. C'est Peter. Donc Peter, tu es bien là, hein, sur la bande dessinée. Qu'est-ce que ça fait de passer de la vraie vie dans un groupe imaginaire, enfin dessiné, Eh ben, imaginaire, d'avoir sa vie qui ça continue en fait du étant bien d'être sorti de la page déjà. Oh. Ah, Shadok noir. Oh, ça devient la lune. ouais Et il y a un personnage blanc mmh. qui apparaît dans le noir. D'accord. Et là maintenant, ça fait deux. Ouais.